Léa Salamé qui se retire de la scène médiatique. J'aime ou j'aime pas. Alors j'aime qu'elle se retire. Et après vous allez me dire pourquoi. Vous, pourquoi vous aimez? Bah parce qu'elle me gave. Bah voilà, donc en fait c'est une bonne nouvelle pour vous. C'est une bonne nouvelle. Et en plus, il y a un truc qui me la rend un petit peu plus sympathique. En revanche, c'est que j'aime bien qu'on s'efface derrière un homme pour le laisser briller. C'est mon petit côté macho. Non mais c'est 3 mois, elle va revenir dans 3 mois. C'est déjà 3 mois qu'on a gagné. Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Oui. S'il te plaît, parce que là en ce moment je suis l'urticaire. Je n'aime pas. Oui, ça se voit. Ah, c'est vrai? Oui. Non, j'ai fait un soin de visage aujourd'hui. Ah, ben ouais. Ça vous a fait une bosse ici? Non, mais j'étais hyper content. Pas contre quoi vous êtes cogné, mais bon. Non, mais je déteste ce qu'elle a fait, le discours féministe qu'il y a derrière. Ce côté, je me retire, mais j'en fais un buzz pour qu'on parle de moi, parce que j'ai une prétention incroyable, mais juste tais-toi. Tu pars ou tu pars pas, elle aurait dû rester. Elle en a fait un acte féministe. Les femmes en 2019 n'ont pas le cerveau des hommes et tout ça. C'est grotesque. C'est, je pense, actuellement la journaliste qui est le plus le melon sur toute l'antenne. Elle a créé le buzz autour d'elle. Isabelle est d'accord avec vous pour une fois. Oui, c'est vraiment grotesque. Moi, j'aime qu'elle se retire. Tout le bazar médiatique qu'il y a autour est totalement inutile pour moi. Elle se retire, point barre. Elle revient le 27 mai, c'est pas un drame. Exactement. Il y a Yann Moix qui a réagi. Il s'est montré assez critique envers cette décision. Voilà, moi, je kiffe Yann Moix. Il est d'arca. Ouais, bah oui. Non, c'est catastrophique. Ça renvoie une image de la femme d'une soumission totale. L'homme va au charbon et elle reste faire la vaisselle. Je trouve ça absolument inouï qu'elle le fasse. Elle se sacrifie. Et à mon avis, pour pas grand-chose, j'ai beaucoup d'amitié et d'affection pour Raphaël Glucksmann. Maintenant, je pense que la capacité qu'il a à faire bouger les choses dans ce registre est nulle. Qu'elle ne se donne pas non plus toute l'importance qu'elle n'a pas, elle aussi, je la respecte beaucoup, je l'adore. Mais ne te fais pas si petit, tu n'es pas si grand. Ce conseil est valable à la fois pour Raphaël et pour Léa, que j'adore tous les deux, mais... Faut pas... J'ai l'impression que les deux ont gentiment pris le melon, en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Je l'adore. Non, mais il a... en plus, il les aime bien. Mais il dit les bails, il dit ce que tout le monde pense, en vrai. Alors, c'est bon, vous avez entendu. Non, merci. Par ailleurs, là où il a raison, c'est qu'effectivement, ils n'ont pas un cerveau pour deux. Il me semble que Léa Salamé est suffisamment cortiquée pour être capable de faire une interview qui ne soit pas à l'aune de ce que pense son mari. Elle est capable de réagir. Donc, son mari, justement. Se retirer à chaque fois quand c'est une femme, parce que son mari prend une décision politique et publique, elle peut très bien continuer à exercer. Se présenter à la direction du club d'échecs de Saint-Ouen. Franchement, est-ce que passerai aux dames. Vous quitteriez la scène médiatique. Et ben vous avez raison, Mélanie. Patoche, présente-toi. Alors, suite à la décision de sa compagne, Raphaël Glucksmann s'est exprimé. Il était très touché. Donc, c'est lui qui va représenter le Parti socialiste aux élections européennes. Elle peut pas arrêter. Et sa décision, elle décide que sa déontologie de journaliste, le fait d'être au-dessus de tout soupçon, c'est le plus important. Mais moi, personnellement, ça me pose un problème. Ça me pose un problème parce que je sais très bien que, qu'on est effectivement en 2019, qu'on ne peut pas considérer qu'une femme, en fait, elle a son mari. Et qu'en plus, je sais comment elle fonctionne. Et je sais qu'on n'a même pas les mêmes avis sur les choses. C'est un acte d'amour incroyable parce que c'est quelqu'un qui a toujours placé son travail au-dessus de tout, dans sa vie. Deux secondes, elle lui donne pas un rein. Non mais vraiment, franchement. Et je m'excuse. J'adore. Cette Barca est folle. Le mec il pleure. Non mais ouais, mais il est ému, c'est sa meuf. Et 3 mois, elle prend 3 mois de RTT. Et alors là-bas sur les poteaux, on est en train de Kelly Vedovelli est en train de décéder, mais Kelly, ça va, elle veut réagir, Kelly? Moi je pense qu'il existe des buzzers et elle c'est une buzzeuse, c'est juste pour le buzz donc j'aime mais pas. Non. D'accord, merci. Elle dit ce qu'elle pense.